que après, c'est une affaire de compagnie de démolition, en fait, c'est des démolitions. Les derniers passages avec les chiens et les spécialistes de la détection. M'incliner à la mémoire des victimes de ce terrible accident. Les pouvoirs publics sont mobilisés. Nous sommes très touchés par la cruauté de cet effondrement. Nous pensons évidemment aux familles des victimes et nous sommes très attentifs à toutes les enquêtes qui nous permettront de faire la vérité sur cet accident. De manière à être sûr qu'il n'y a plus aucune victime vivante sur cette zone-là. Donc le bilan actuellement est de 4 victimes décédées et 3 blessés légers. Je voudrais vous remercier à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Oh, yeah.